Hello tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci avec Doudou, on est parti faire une warm-up à l'écurie d'à côté. Donc bien sûr on a un temps génial, hein, clairement il pleut, je vous montre dehors là, je sais, vous voyez, voilà, hein. C'est que de la pluie, mais bon bah on va y aller puis on va voir ce que ça donne. Finalement, je vais vous commenter notre warm-up parce que ce jour-là, il y avait énormément de vent et du coup, bah, en fait, je voulais vous laisser les commentaires du coach, mais on n'entend rien du tout et ça serait vraiment pas agréable. Alors, on commence par la reconnaissance. Donc, à la reconnaissance, les barres étaient toutes petites. Donc, nous, on a fait une épreuve qui était plutôt dans les 80 cm, 85 cm, je crois, en gros. Une club 2, parce que le but c'était quand même de reprendre assez tranquillement vu que Fawena n'avait pas sauté depuis cet été je crois. Donc voilà, alors on part pour faire la détente. Fawena elle était quand même très sur le gaz parce qu'en fait elle voyait les autres chevaux partir vers la carrière et du coup bah, ça lui plaisait pas trop. Donc elle s'agitait pas mal, elle se défendait un petit peu, mais bon, par rapport à ce qu'on a pu avoir comme défense, c'était quand même beaucoup plus gérable. Et d'ailleurs, au trot, avant c'était très compliqué de la garder au trot, mais bon là j'y arrivais quand même. C'est dommage que pour le coup la détente elle n'est pas du tout à l'image de la dernière séance sur le plat qu'on avait fait. Mais bon, globalement, vu les chevaux qui bougeaient autour et tout ça, c'était quand même pas mal du tout. Donc on n'a pas fait de détente au galop parce que tout simplement le manège était trop petit pour galoper. Alors on a bah, directement enchaîné sur la détente à l'obstacle, hein, sur des petites barres. On a fait que quelques sauts où elle avait tendance à charger un petit peu. Donc l'objectif c'était de la garder calme. Donc là clairement, hop, voilà, elle a essayé de me prendre la main. Du coup j'ai préféré ne pas aller sur l'obstacle et revenir juste après un peu plus calmement. Donc ensuite on part bah, tout simplement sur le tour. Vous allez voir qu'on va en faire deux passages au lieu d'un qui était prévu à la base. Parce que tout simplement bah, le premier c'était un petit peu la cata, mais surtout à cause de moi. Donc on part sur le numéro 1. Elle me fait une barre parce que bon bah je n'encadre pas du tout. Elle a été un petit peu hésitante. Je mets mes jambes un petit peu au dernier moment, du coup la barre tombe. On se dirige ensuite sur le 2, donc je suis repassée au trot, parce qu'au galop c'était un petit peu le bazar, donc bien sûr vu que c'était en descente, je me penche un petit peu en avant, la barre tombe, l'auxerre passe un petit peu mieux, même si là, j'aurais pu me redresser et relancer un petit peu. Ensuite on va sur la ligne du, 3, du 4 au 5. Là ça passe pas trop mal, même si bah, je passe devant sur le numéro 5, donc du coup elle me refait un petit pied, il faut vraiment que j'arrête avec mes georgettes. La ligne du 6, donc bah, pareil, hein, je passe devant un petit peu, mais bon, ça passe quand même. Le mur, aucun problème, en plus on arrive à réceptionner sur le bon pied, et ensuite on part sur le triple. Donc le triple, elle n'en a jamais sauté, donc du coup elle va un petit peu hésiter, moi je vais regarder les barres. Donc voilà, ça va être un peu la cata. C'est un petit peu en fin de triple, mais bon, pour une première fois, c'est quand même pas mal. La palanque, hop, Elodie regarde, donc forcément, la jument regarde. Et le bidet, bah, ça passe tout seul. Donc ensuite, on part sur le deuxième passage qui, moi, je trouve est beaucoup mieux. On va beaucoup plus galoper. C'est pour le coup. Sur le premier passage, dès qu'on était au galop, je la sentais quand même un peu plus à l'aise.
Alors on part sur le numéro 1 qui va passer beaucoup mieux que le premier coup parce que Elodie reste à sa place pour une fois. Je remets sur le bon pied et on va aller sur le numéro 2. Il me semble qu'on va faire une barre. Ouais, c'est ça, parce que pareil, je regarde un petit peu mon obstacle. Je me redresse pour aller sur le 3. Il passe pas trop mal. Je remets en ordre. On part sur le bon pied pour aller sur la ligne du 4 au 5. Hop, qui passe quand même beaucoup mieux que le premier coup. Voilà. Ensuite, bah, pareil, je remets en ordre et on va aller sur le 6 et là, je vais me prendre une méga georgette et tout va tomber. Voilà. Bravo Elodie. Hein, donc du coup, bah, le coach, il va tout remettre vu qu'on a tout cassé. Je me fais un petit peu gronder au passage hein, parce que c'est totalement de ma faute. Mais bon, vous allez voir que dès qu'on y retourne, la jument... Bah elle est quand même très très sympa parce qu'en fait elle y va, elle se pose vraiment pas de questions même si moi je fais pas mal d'erreurs. Voilà, on repart dans un galop qui est plutôt correct même si elle aurait tendance peut-être un petit peu à s'enfermer. Hop là, donc là j'ai essayé de rester à ma place. Le mur ça passe tout seul même si elle s'est un petit peu décalée. Et ensuite, on part sur le triple, où là, je vais vraiment penser à me redresser et à mettre mes jambes. Et du coup, ça va plutôt très très bien se passer. Voilà, donc je suis assez contente du triple. Ensuite, on part sur la palanque. Et là, en fait, je vais me décaler. Et du coup, j'emmène le chandelier avec mon pied. Mais bon, elle s'en fout, clairement. Et on va sur le bidet. Donc elle a vraiment été géniale, hein, franchement le premier tour était un petit peu compliqué mais en même temps faut pas oublier que la petite demoiselle bah, elle a pas sauté depuis cet été quand même. Donc franchement pour 6 mois sans sauter je trouve qu'elle a vraiment été sympa, elle a fait son job, elle a été super franche, il n'y a rien à dire. Donc du coup voilà, le deuxième tour était encore mieux que le premier, il y a des petites fautes mais elles sont vraiment pour moi. Que du coup quand j'apprends à rester un petit peu à ma place et à me redresser, bah, bizarre, hein, ça passe beaucoup mieux. Voilà, elle a fait des super jolis sauts, moi je suis super contente de finir l'année sur cette séance là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !